Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Qui peut comprendre qu'il y a une actualité dans le journal là, c'est de ce référendum non connaît. Le groupe militant dans le département nord-est pays en Wanamet a été écrasé dimanche 9 mai passé à rencontre du conseil électoral provisoire contesté. Il a gagné pour l'été fait avec plusieurs autorités locales sur question référendum. Dans ce sens, ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, avec le dirigeant organisation paysan Castel Minosten, fait connaître le fait qu'en paix contre le référendum constitutionnel, ça, c'est une grosse victoire liée pour le peuple haïtien. C'est un qui a demandé pour respecter maman loi pays d'Haïti qui est constitution 29 mars 1987. Sous même dossier, maître Samuel Mazistène, Fondation J'éclairé, salue la décision Union européenne qui choisit pour ne pas financer le référendum constitutionnel que le président de la République Jovenel Moïse prévoit pour faire 27 juin qu'à venir là. Sous mon parle, ancien parlementaire Hugues Célestin, qui dans IPAM, fait connaître décision Union européenne, prend pour ne pas financer le référendum constitutionnel, t'as voulu dire, Union européenne a commencé, voulait écouter voix, peuple haïtien. Dans le même dossier, toujours, dirigeant organisation sociopolitique Vive Haïti, Louis Germain, dans Balatibonite, dénonce une autre fois encore, équipe HTK qui décidait pour continuer, pour changer, maman loi pays, en soi-disant, dans un référendum, un bagaille, que constitution république, pas d'accord. Dans le même dossier référendum, nous avons un message li posté à lundi 10 mai 2021, professeur Mertilus Andalas, lui-même qui a démarré à prouver opération démasquée, adressée à la population haïtienne pour continuer l'opération ça à travers tout le pays d'Haïti et même à l'étranger pour être capable de faire échec à référendum Champouel, le président Jovenel Moïse, veut faire dans le pays d'Haïti. Pour mettre Camille Leblanc, ancien ministre de justice dans le pays d'Haïti, qui rejeté le processus référendum. Il dénonce le président Jovenel Moïse qui voulait établir une dictature en d'un pays. Dossier 4, identification nationale. Après le citoyen fin passé, plusieurs misères pour arriver à faire 4 identifications nationales dans le bureau ONIAN, dans le Gonaïve. C'est avec un peu de grosses difficultés pour arriver à recevoir 4 ça dans le bureau ça. Dossier mobilisation contre pouvoir en place là. Réseau protestant annoncé pour 15, 16 à 17 mai qu'à venir là, 3 journées jeunes nationales contre le phénomène kidnapping en dans le pays d'Haïti. Dossier kidnapping, sous dossier trêve qui annoncé entre Gagno, gang grave dans le village de Dieu qui t'a accepté de faire une trêve sur question de kidnapping il a fait après négociation, il a fait une gagne avec CNDDR d'après information qui sont par contre un influent de la Commission nationale des armements CNDDR qui je supporte une institution internationale à travailler sur un plan d'action que le gouvernement n'a pas jamais approuvé qui croit qu'il est là sur route pour l'approuver. Dans ce sens, plusieurs voix commencent à lever contre Chita Palessa ou encore tête ensemble qui jeune un pouvoir en place là avec Gagno pour ta camper sur question kidnapping là et après l'agent qui est au tabac gagné plusieurs réactions commencent à tomber gagné Paul Denis ancien ministre de justice dirigeant Uniforce dit que l'exécutif n'a pas caché derrière des matchs liens et ça confirmé à clair complicité qui gagne un pouvoir en place là avec gang armé en pays d'Haïti. Directrice nationale c'est Gilles Laplan, Madame Justine Colanouel, qui est organisation de l'Église catholique Cap de Tendouamoun, dénonce la situation grave et à trouver pour les Sénèques Axamio qui a dicté le royaume en pays d'Haïti. Madame Colanouel fait connaître le fait que gagne une instance dans l'État qui est capable de chita pour négocier avec gang criminel après tout crime qu'on commet sous population pour l'État Bayo laisser passer pour débloquer Gogo Magolajan pour mettre dans main gang sa yo t'a montré à clair et pouvoir dans tête collée ensemble avec kidnapping ou encore gang yo a réalisé en dans pays. Dans l'occasion du 35e congrès annuel dans la cour d'Héronville, les enfants de tradition haïtienne ont organisé 3 journées d'activités culturelles, sur 7 privé 10 mai 2021. Dans ce sens, vice-président national central, Ogonou Léonel Monpoint Modestin, qui te prend la parole dans l'occasion de ça, exhorter tout haïtien pour chita ensemble. Même gens avec 107 yot et chita, yon façon pour Haïti sortir dans une situation difficile, l'y trouver jeudi.
avec deux ces référendums, nous avons démarré journal Levé Campé, deuxième sortie pour journée mardi 11 mai 2021. Nous avons eu un groupe militant dans le département nord-est pays d'Haïti. Voilà, maître qui était écrasé dimanche passé à dimanche 9 mai. Il y a un conseil électoral provisoire contesté en Tégué pour le faire avec plusieurs autorités locales sous question référendum. Sur le coordonnateur IPAM, c'est le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, avec le dirigeant organisation paysan Castel Milosten, fait qu'on est Levé Campé contre référendum constitutionnel. C'est un gros victoire lié pour le peuple haïtien qui a demandé pour respecter maman loi pays qui c'est constitution 29 mars 1987. Là. Dans ce sens, nous invitons à écouter Jean-Baptiste Bien-Aimé avec Castel Minosten qui a porté précision dans Micro La Presse. PHTK est venu pour réunion dans Chimpon Hotel en cachette. Il y a fait une réunion cachette, peuple a connu, peuple a investi et ça sera. Et des mêmes groupes électoraux, nous passons par derrière ensemble avec eux. Son gros victoire pour peuple haïtien, son gros victoire pour militants qui fédéré dans le département nord-est là. Pour dire non à conseil électoral ça. Pour dire non à coup d'état électoral que je venais la planifier là. Pour dire non à référendum chambouel là. C'est une grosse victoire. Donc oui, et peuple là, c'est victoire. Nous avons un comité de vigilance que nos paquets d'organisations mettent ensemble. Il y a une femme initiative patriote marien, ARED, bataille ouvrière et toute organisation qui fait un gros faisceau, tout dirigeant là, et bien nous avons un et des dirigeants dans tout du monde, dans Caracol, dans la liberté tout partout, qui décident de mettre ensemble pour nous faire échec à projet PHTK pour mettre dictature dans le pays. C'est une grosse victoire que ça a été. C'est une grosse victoire, ça y est pour nous. C'est une grosse victoire pour le peuple là. Parce que nous faisons nous des électoraux. Oui, pour l'ange, nous passons derrière. Nous montons sur le peuple. Les nationaux ont quitté. Nous débarquons ici hein, parce que KEP Champrel Lan qui n'a pas prêté serment. Dans le coup de cassation, qui a mangé l'argent de l'État derrière de la loi et débarqué dans notre jodian pour venir présenter un référendum en dehors de la loi. Et nous-mêmes nous demandons respect constitution, respect à l'article 284.3 constitution qui interdit toute tentative pour changer constitution 1987. Alors prochaine étape là, c'est qui ça? Prochaine étape là, nous continuons à mobiliser, nous faire résistance au niveau du département nord-est pour nous faire échec à plan Jovenel Moïse là. Les auditeurs t'as écouté Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui est coordonnateur IPAM, ensemble avec Castel Minosten, qui est responsable d'une organisation paysanne dans la zone nord-est. Dans le même dossier, qui est médecin Madistin, dans la fondation J'éclairé, qui salue la décision de l'Union européenne, qui choisit pour Paris de financer le référendum constitutionnel que le président de la République prévoit pour faire 27 juin Kabila. Maître Madistin continue à dénoncer question projet référendum non, que le président de la République Jovenel Moïse était tête droite, veut pas voulait pour l'organiser dans la date 27 juin. Nous invitons à écouter le dirigeant de la Fondation J'éclairé, Samuel Madistin. Je pense que ça sont très bonnes décisions que l'Union européenne prend. Et le fait qu'il y aura une décision ça publique, c'est une très bonne chose aussi. Parce que le fait que vous commencez à rendre compte, cette question référendum, faites n'importe comment, son bagage qui crée. Qui est susceptible de créer dans un pays une insécurité juridique. Dans toute société, on a besoin d'une insécurité juridique. C'est-à-dire que on a une relation que la loi prévoit, qui crée un citoyen, que on pas chambouler, on pas changer du jour au lendemain, n'importe comment. Ou pas arrêter, par exemple, je dis à un président venir, il dit, je vais changer la constitution. Ou l'autre président venir demain, il dit, moi-même, je vais changer la constitution, ça va changer. Après, mon gros premier ministre, le président dit, la constitution, ça va. Donc, on a une instabilité, hein, une insécurité, ça crée. C'est ça que fait, dans tout état démocratique, question référendum, l'est organisé. Sous deux points. La constitution, même, hein, premièrement, le droit d'initiative. Qui monde qui a pris l'initiative pour dire à faire référendum. C'est-à-dire, c'est pour bagarre qu'on arrive du jour au lendemain, nèg la dormi, et puis demain matin, dit, pour dire bagarre pour référendum. Ceci doit être réglementé au niveau de la Constitution pour dire, mais qui monde qui a le droit de prendre l'initiative référendum. Deuxièmement, la Constitution fait pour prévoir une procédure pour la validité du référendum. Donc, l'on n'a pas gagné. Non constitution deux points ça yo sous recourir à au référendum là au petit ou créer
l'insécurité juridique dans le pays. Donc, et ça, capable de déboucher sous violation de droit fondamental mondial, et ça a débouché sous situation côté démocratie à venir en péril, il vient en danger. On a écouté ancien parlementaire de la Tibonite, Samuel Madistin, qui a préagi sur la question référendum. Donc c'est ça, j'aime dire les amis auditeurs, c'est occupé actualité politique. Il y a un ancien sénateur ou encore ancien parlementaire Hugues Célestin qui fait qu'on a une décision Union européenne prend pour ne pas financer le référendum constitutionnel. L'entable dit que l'Union européenne commence à écouter voix, peuple haïtien, je veux dire. On a écouté Hugues Célestin, qui sont anciens députés dans le département de notre pays. Au niveau de l'initiative Patriote Marien, nous bien recevoir position ça. C'est preuve que syndicat international, comme groupe, Nations Unies, gouvernement américain, ils ont commencé à comprendre que ils ont fait trop tort à pays. Ça va me dire que parce que l'Union européenne dit ça, pour oublier tout appui, ils ont habité bien, ensemble, gouvernement tête calée, gouvernement qui va jamais régler rien dans le pays. Mais position ça, vous prenez là, c'est preuve que ils ont commencé à tendre réels peuple haïtien qui voulait vivre dans une bonne société, côté lui-même, lui déterminer qui route la baie pays, jusqu'à ce que lui transforme le pays. D'ailleurs, et là, ça qui va passer dans le pays, c'est preuve que, ou gagner. Alors, il faut qu'on considère Jovenel, chaque temps de Jovenel Moïse, n'a parlé d'un panzoui qui font coup d'état 7 février 2021. Coup d'état, ça, les garanties par ambassade américaine qui fait représentant gouvernement américain. Vous connaissez très bien Fiette Lalo qui est dans l'ambassade américaine, dans Madame Simpson. Ou bien Fiette Lalo qui représente Bignan, l'OEA. C'est allié direct Jovenel Moïse, équipe tête calébanonio, pour mettre en place situation chaotique que nous avons gérée dans le pays. Heureusement, nous avons dit ça au niveau de l'initiative Patriote Marien. Heureusement, sous base pression, peuple dans le pays côté Mounzao Sotia, l'opinion publique pays a commencé à faire que le gouvernement Sao a changé de direction. Tous gens qui ont appuyé gouvernement à comportement démesuré, gouvernement répressif, gouvernement illégitime, gouvernement hors la loi dans le pays d'Haïti. Grand monde Jovenel Moïse a commencé à parler. Jovenel Moïse a préparé terrain pour lui faire retrait qui nécessaire. C'est parce que pas de consensus, parce que pour changer et chaque fondamental pays, il faut que à travers toute organisation, Jovenel Moïse, qui c'est un panzouïste, mandat fini pour la parler de changement constitution, côté pas de aucune provision légale pour faire ça. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, en pile mounan dans le pays, à femme tant que garçon, y aurait fait une société inclusive, une société côté mounio, y a compté dans la décision qu'a prendre dans la société. Voilà, société, ça que nous vivons là-dedans. Équipe 4 Caliban, ils ont renforcé l'exclusion, ils ont renforcé la violence qui était déjà gagnée en dans la société. Citoyens, on va accepter ça. Et c'est ça que fait tout côté, citoyens, citoyens, ils ont levé campé contre la question référendum que pouvoir panzouïste. Jovenel Moïse a parlé de l'IA. Vous avez écouté le député Hugues Célestin qui a réagi sur la question du référendum et particulièrement sur l'Union européenne qui n'a pas décidé de financer le référendum constitutionnel. Le président de la République Jovenel Moïse le fait 27 juin, cabinet. De ce référendum, non, c'est l'une d'eux qui domine l'actualité, hein. Dans la Tibonite, non, qui est dirigeant d'organisation sociopolitique Vive Haïti, lui, Germain, qui dénonce une autre fois encore, et qui PHTK, qui décide pour qu'on ne pas changer, maman, loi, pays d'Haïti, soi-disant, non, un référendum. Responsable politique, là, lui, Germain, s'est menté pour dire que, plan ça, militant, mettez avec population, qu'à vivre dans tout pays, hein, pas quitter le passé du tout, en dans pays d'Haïti. Milsan Madeus, ses collaborateurs nous, l'a posé nous un reportage. Coordonnateur, organisation sociopolitique Vive Haïti dans la région, hein, Louis Germain, qualifié président mandat fini, hein, Jovenel Moïse, comme un monde qui a été dit, qui va comprendre en un, malgré tout le monde, a demandé le camper sous démarche référendum LIA, les consignes dans le démarche tête en bas. Dirigeant Vive Haïti, Louis Germain, fait connaître,
président mandat fini depuis 7 février 2021, Jovenel Moïse a cherché sécuriser tête li pour même l'elle pas au pouvoir pour pas à répondre question la justice pendant espérer équipe cap travail sous référendum nan pas mettre pied non c'est ni exagéré on pour mon cause c'est-à-dire que qui pas gagne ni tendé qui pas gagne ni là parce que même l'équipe de Jovenel Moïse dit Jovenel Moïse que référendum là pas possible question élection sélection que la parlé en là yo dit il est pas possible malgré ça ou c'est adélanté et c'est ça qui fait que nous même dans ces matchs nous dit Jovenel Moïse mais quoi maman mais quoi papa s'il capable venir piler et ces matchs nous rappelons qui ça t'est passé ces matchs 25 avril 2021 donc encore une fois nous même ces matchs nous mobiliser nous motiver c'est ton équipe Jovenel Moïse là pour venir parler de questions référendum pour venir parler de élection nous pour une reconstitution mais pas avec l'équipe en place pas avec Jovenel Moïse d'ailleurs Jovenel Moïse pas inspiré confiance l'équipe de Jovenel Moïse tout ça que il a fait c'est ouais comment il cap kembe pouvoir pour pas rendre compte par rapport avec l'argent Petrocaribe il gaspiller par rapport à pervers pile crime que il fait sous militants un peu partout à travers pays c'est ça que il a pas pour cautionner à travers élection au cap que dans question référendum que monsieur a parlé dans question nouvelle constitution que monsieur a parlé là ou après que c'est le plein pouvoir avec le pouvoir exécutif donc l'éclair montre que même après la fin du mandat président il pas pour le rendre compte c'est-à-dire que même les volé même le président a fait crime il pas pour le rendre compte donc à ce moment-là ou cap que son terrain que monsieur a préparé après que fin gaspiller l'argent pays après que fin fait tout crime ça sur population pour pas mettre compte responsable organisation sociopolitique Vive Haïti lui jamais mandé population qui vivent dans Bala Tibonite là pour arrêter mobiliser vers en haut vers en bas et puis pas loin caillou pour ta mettre bureau pour soi-disant référendum. Merci Madeus, n'a pas quitté la Tibonite, nous allons dans le nord-ouest pour rencontrer Seigneur Wiskis qui nous donne un message qu'il a enregistré jeudi 10 mai 2021, professeur Mercilus Andalas qui s'est initiateur mouvement opération démasqué théâtre avec population haïtienne pour continuer soulever continuer lever camper à travers opération ça dans tout pays d'Haïti même à l'étranger pour capable de faire échec avec référendum Champouel que président républicain Jovenel Moïse veut faire en dans pays d'Haïti. C'est Jean Whisky, c'est correspondant Radio Pyramide dans la métropole nord-ouest ça dans porte pied. Écoutez. Une semaine après échec même KPA dans nord-ouest dans cadre débat sur référendum constitutionnel Jovenel Moïse là, policier Mathilis Andalas qui s'est premier initiateur mouvement ça dans notre battement nord-ouest là, t'est adressé directement à la population haïtienne là journée lundi 10 mai 2021 ça. Mathilis Andalas pas mettre dans la bouche li pour le dire journée lundi 10 mai 2021 ça fait 8 jours depuis opération lancée dans nord-ouest opération démasquée côté moun à travers pays en baptisé opération Mathilis Andalas selon Mathilis Andalas opération démasquée ça a permettre yo rive déboulonner dictateur qui caché des référendums pour faire temps passer tabli régime boudi vend pays de saline nan bay moun nan pays étranger légaliser corruption ak assassinat pour ça Mathilis Andalas voyons gros coup de chapeau bay tout jeune garçon ak jeune femme en Haïti tant qu'à l'étranger li dit ki gen même fougue même détermination avec pour continuer goumen ensuite faire échec ak référendum Champouel Jovenel Moïse nan Mathilis Andalas. C'est nous jeunesse étudiante, c'est nous les grands, nous les petits. Peuple haïtien, jeunesse pays d'Haïti, surtout si là-haut, qu'à vivre dans le département nord-ouest pays. Jeudi a fait 8 jours depuis nous lancer dans le département nord-ouest là, dans la commune Jarabel, Port de Paix, avec Saint-Louis du Nord, opération démasquée. Opération ça que en pile monde relé dans le pays a, opération Andalas Mathilis. Opération démasquée dictateur qui cachait derrière mon référendum pour faire temps passer, établir régime boudi, vendre pays à bah, l'étranger, légaliser corruption et assassinat. Merci en pile pour toute énergie nous voyons qui traversait et qui bat courage et détermination pour nous toujours goûter pour ça changer. Merci à toutes
compatriotes haïtiens qui dans diaspora takou silayo k'ap vive États-Unis, Canada, République Dominicaine, Brésil, Chili, Argentine, Belgique, Suisse, la France, Bahamas ak tout Antilles. Merci à vous-même k'ap vive en dans pays qui t'ap souffri en bas initiative malhonnête ça et pouvoir entreprendre pour camper élan démocratie pays a. Moi j'ai plus passé 10 000 messages que m'poko ka répondre. Équipe communication ap travail pour nous répondre tout le monde. Yon gros accolade patriotique pour tout responsable politique ak organisation qui te relèm et qui te prend position publique à travers notre écrit pour endosser action nou yo sur département nord-ouest là, particulièrement Mola ak divers lot. Jeunesse pays a, nous gen gros intérêt pour nous continuer campagne démasquée jouk tan nous fait bac sous initiative dangereux ça qui visait continuer gaspiller avenir. Chapeau bas pour nord-ouest là qui voyait premier signal là. Même Jean Capa la mort t'es planté drapeau l'armée révolutionnaire dans but charrier. Chapeau bas pour département Grand'Anse, département sud, département nord-est, département du centre qui répondent à appel. Chapeau bas pour vous même dans département Pao là qui pourra répondre. Même Jean l'autre département ça déjà répondre à appel département nord-ouest là. N'a demandé jeunesse pays à l'éopral chassé membre créé électoral présidentiel là toujours songer marcher avec un exemplaire constitution hein, pour nous capable bailler au dicté sous article 134.2 134.3 194.2 282 282.1 283 284 284.3 nous gain outil légal nan men nous pour nous chasser les effets cap aniser nan contrarier avenir nous n'a veiller en haut n'a veiller en bas tout côté au passé c'est chasser n'a goumen ak poyet n'a goumen ak tête depuis département nord-ouest pays d'Haïti cité Capo la mort Andalas Mertilus nous nan victime système nan nan message lien Mertilus Andalas fait référence à un dividal article nan constitution 1987 lan qui pa bay Jovenel Moïse provision légale pour changer maman loi paysan aller ouais pour ta parler des référendums mandé pour population haïtienne nan à la ronde badet lever goumen même Jacques Capo la mort pour river croaper dictateur Jovenel Moïse dans palais national. C'est Jean Whiskis pour le père Pyramide FM. Merci c'est Jean Whiskis, toujours dossier constitution ou encore référendum M. Camille Leblanc ancien ministre justice pays d'Haïti ou acheter processus référendum là il est le président de la République Jovenel Moïse dit qu'il a l'idée mais des dictatures chita en pays d'Haïti M. Camille Leblanc a porté précision. Non, c'est normal, ça veut dire que l'Union européenne pas qu'à rendre ni complice en dehors de ça madame la ligne d'affaires et compagnie, il pas qu'à mettre complice non dynamique qui contraire à la constitution. C'est des gens qui respectent chez eux la constitution de leur pays, qui respectent la constitution de l'entité théorique et que l'Europe là. L'Ipatavine là, nous conteste qui dit le référendum pour modifier la constitution complètement interdit, ou qu'on monde qui publiquement dit la référendum pour changer la constitution, et puis pour t'avine mettre le DL, soit vine garder ça l'affaire, soit vine financer, soit vine garder si baille bien. C'est qui ça pour bien passer? Le principe est un principe que nègre a violé, a causé un crime contre la constitution. C'est déjà un acte délictueux. Ou a bien associé à lui-même, ou même, tu vas bien associé. L'a gardé, parce qu'on décide, la caillouille, ou tout puissant, ou, après Dieu, c'est ou même, donc vous faites sauver, mais lui-même, il n'est pas qu'à associer à lui-même. Parce que, il y a un monde, ça, il y a un minimum de respect par rapport à la légalité de toute démarche. Premier, ça va faire questionner. Est-ce que la démarche est légale et constitutionnelle? La réponse est non. Est-ce qu'on a un minimum de consensus pour que ça soit fait là ou entre la donne? La réponse est non. Par conséquent, aucun monde qui a un minimum de respect des règles de la démocratie et des fonctionnements et des règles de jeu du fonctionnement démocratique n'a pas qu'à associer avec un monde qui lui-même sorti décidé. Clairement, pas mêlé avec aucun règle de jeu constitutionnel, il n'est pas mêlé avec les règles du jeu démocratique, il est décidé d'une façon dictatoriale. Pour la première fois, ces gens-là découvrent à nous les actes de souveraineté. Vous avez écouté ancien ministre de la Justice pays d'Haïtien, Maître Camille Leblanc, qui a réagi sur la question du référendum que prépare le président de la République, Jovenel Moïse, le 27 juin, cabine-là, pendant son diverses instances au niveau national, Dieu pas d'accord, même j'ai avec la communauté internationale, non, et dernière date, non, c'est le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui m'a demandé pour ces élections générales qui font dans le pays, hein, pour ce soir, avec toute activité,
question référendum pour 27 juin Kabila. Comme ça, administration Joe Biden dans l'Assemblée prend distance li ensemble avec question référendum que président République Jovenel Moïse veut faire ouais par ouais dans mois juin Kabila. Dans dossier référendum, pour ça nous va parler carte d'identification nationale que les citoyens ont dit bouquet puis les citoyens en ville naïve qui a cherché carte d'identification dans bureau ONU. Ils ont déploré à le 10 mai 2021 grosse difficulté ont gagné pour recevoir carte là. Citoyens ça fait connaître pour arriver faire carte là, il pas facile du tout pour eux, c'est avec en pile difficulté pour arriver faire carte ça. Cependant, ils prennent patience, ils veulent faire quand même mais courir là pour retirer carte là en dans bureau ONU sont leur tête chargée pour être capable de faire ça, alors que toutes les institutions de pays ont exigé pour que vous serviez avec 4 l'autre 4 yon presque yon interdit. Plus loin, yon déclaré pour le gouvernement Jovenel Moïse, t'a créé plus de conditions pour les gens capables de bénéficier du service 4 identification nationale sans difficulté. Quelques citoyens, t'es dans le micro, Y. Schneider. Moi, pas de gain trop de difficulté parce que moi, t'es gain uniforme sur moi. Yon te facilité me faire. Mais pour me joindre là, son l'autre tracas encore. Il y a des gens qui font 4 pendant plusieurs mois déjà, il y a marché sur marché, il n'y a pas capable de venir. Bon, je ne peux pas confirmer si il y a un cob et il n'y a pas de demander un cob tout parce que fait 4 là son service que l'État mette à disposition. Il n'y a pas de demander pour nous toucher. Par contre, si l'autre monde qui baille, moi moi-même, non, il n'y a pas de demander pour nous consentir. Là depuis 8 heures parce que dans le bois ici là, depuis ça fait 5 jours. Je marche là, je souffre un peu de bagage de 4 là, je suis le bureau, je dis 4 mois là, je m'appelle des machines de bagage de 4 là, je ne sais pas comment ça fait ça. Mais où est-ce que tu es dans le soleil là, moi soleil là? Ah, mais on connaît Haïtien, Haïtien, mais fait mon passé misère, parce que moi c'est la difficulté mieux bon ici là, parce que chaque fois que je viens pour 4 là, je ne vais pas prendre 4 là. L'État a dit que je mérite pour 4 là gratis, moi, j'ai une difficulté pour me prendre. Vous parlez de 4 là gratis, est-ce que vous faites comme nous? Non, non, il y a une raquette, si le souverain pour prendre 4 là pour rapide, ou bien on sait quand nous l'avons pris pour la raquette est de là. Ok, vous raquette ça, nous d'accord avec la situation ça? Ah, bien, souverain pas souverain, vous va souffrir dans le soleil là. Vous vigez, vous avez 5 là pour prendre 4 là pour. Mais vous expliquez aussi 5 jours là? Oui, moi je marche 5 jours là parce que je ne vais pas faire. Qui était fait comme ça, même dit au marché qui m'a bien acquitté 50 dollars. Je ne vais pas sans semaine de ma venue chercher un 4 mois. Mais chaque mois, jusqu'à ce que je me capasse. Donc, je ne vais pas structurer comme si je ne vais pas qui est-ce qui vient avant, je ne qui est-ce qui vient après. Tout le monde est obligé de gonfler devant la porte. Et c'est un cauchemar, c'est un véritable casse-tête. Bah, 400. Bon, juste avant. Je ne sais pas pour qui raison. Moi, je connais tout ça, 4 mois avec Syrie en 2028. Je ne sais pas pour qui raison. Et si les nègres n'ont pas de préparer pour changer 4 mois, obligé de faire comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est mal pensé. Et c'est augmenter misère. Ok. Parce que vous n'avez pas perdu journée, vous n'avez pas perdu journée. Quoi que ce n'est pas tout le monde qui travaille, mais moi, même une semaine, je ne sais pas qu'il n'y a pas de travail. Okay. Je cherche 4. Non seulement là longtemps, je me suis demi handicapé parce que je suis en opération, après opération, je n'ai pas qui marche bien pour moi. Même faire 4 là, j'ai besoin de 4 là. Chaque minute, je ne suis pas jeune. Je viens là, je fais un monde qui me fait un appel, je suis dedans, je dis 4 là, je suis dans la boîte et dedans. Mais pour me dire une chose, je suis mal, je ne suis pas capable. Et parce que je fais une opération, je suis capable de faire un bon pipi qui a vidé sur moi là. Avec 10, pour me sortir. De toute façon, tu as eu gens pour me gagner, pour me sortir. C'est 4 là que je me dis, malgré que je besoin de 4 là, c'est le mal à l'hôpital, si je suis à l'hôpital, quand je me balais, pour me gagner 4 valises, mais 4 là en dedans là, je ne peux pas avoir une occasion pour me montrer. Malgré que je suis handicapé, je suis malade. Je ne peux pas comprendre moi. Vous venez là plusieurs fois déjà? Je viens là plusieurs fois, je ne peux pas passer. Matin, comme je viens là, comme je fais des marches, je fais relais pour moi dedans. Je dis 4 ans dedans, je dans boîte et dedans. Nabdou, avec dossier mobilisation, nous avons démarré le deuxième tranche là pour nous divers secteurs de la vie nationale là, pour signer le camper pour dire non à phénomène kidnapping. C'est pas si on met de l'eau dans la population haïtienne. Les opposants ont annoncé pour 15, 16 à 17 mai Kabila.
trois gros journées jeunes nationales contre le phénomène kidnapping. Le 17 mai, Chrétien Yo a bien pu réunir dans le Carrefour Résistance là, sorti 11h pour arriver 1h dans l'après-midi dans le Carrefour Aéroport en bas viaduc. Déjà, réseau yo invité tout le secteur de la vie nationale pour prendre part dans trois journées manifestations spirituelles qui a organisé Jean-Dou dans le Carrefour Aéroport en bas viaduc là, ou bien ça en bas pont Matéli. Comme ça, nous invitons côté Lubinio Duverno, lui-même, qui a porté précision sur trois journées de mobilisation ça, que réseau protestant pays d'Haïti a annoncé pour 15, 16 avec 17 mai, Kabina. 15, 16, 17, n'a plein la rouille. Trois jours de jeûne ça, qui a fini la Carrefour Résistance là, de 11h à 1h, côté nous parlons son cri. Mais femme nous que trois jours, c'est trois jours national. C'est le pays qui a debout devant mon Dieu. Toute l'église, pendant ces trois jours, il a été ouvert. Ça qu'a fait dans un pays, c'est un bagage diabolique. Non seulement après trois jours de jeu, nous parlons de craper le Carrefour. C'est pas seulement Carrefour qui est diable. Moi, je crois, en dans le palais national, il y a Satan. En dans le ministère, il y a Satan. En dans la direction générale, il y a Satan. Nous croyons, Satan envahit le pays. C'est seulement avec la prière qu'on a mis Satan dehors. À midi, le 17, on crie pour le péter dans le pays. Quel que soit côté mounaye, à midi, la Bible a dit, la cage juste là, on crie de triomphe. Pour triompher, il faut être dans la guerre, il faut être dans le combat. Et tout le monde connaît nous dans le combat. C'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Avec la prière, bon, c'est le pays qui change. Je cours l'histoire. Nous essayons pile bagaille déjà. Cette fois-ci, nous allons essayer l'essentiel. Nous avons écouté Luvio Duverno, qui est dans le réseau protestant pays d'Haïti, qui a annoncé gros journée mobilisation pour 15, 16 et 17 mai, cap vina contre le kidnapping. Justement, dans le même dossier kidnapping, pour ça, on parle de trêve, gang est assemblé, vépran, gang armé, grand ravine avec village de Dieu, ils ont assemblé accepter, puis ils ont fait une trêve, dans la question de kidnapping, pendant deux mois, après négociation, ils ont pu faire avec dirigeant CNDDR. D'après information, ils ont même influent en de Commission nationale des armements, t'a partagé avec Journal Nouveliste et il semblait que jeune support une institution internationale. Il y a travail sur un plan d'action que le gouvernement a gagné pour approuver avant longtemps. Il y a un plan que le gouvernement n'a pas jamais approuvé d'après même sous ça qui est beaucoup de CNDDR que Journal Nouveliste t'a contacté dans un article qui est sorti dans le commencement week-end passé. Information concernant la négociation, ça a confirmé complicité pouvoir avec gang Améo d'après ancien ministre de Justice pays d'Haïti. Paul Denis, qui est dirigeant Uniforce, lui croit que l'exécutif n'a pas caché du tout des démarches qu'il a fait, je dis, en négociation, il a gagné avec gang armée qui est obligé de payer l'argent pour être capable de bâtir sur la paix dans le pays d'Haïti pour deux mois à la veille référendum constitutionnel que le président de la République, Jovenel Moïse, veut faire ouais par ouais dans le pays, dans la date 27 juin. Dans ce sens, nous avons écouté le dirigeant Uniforce, Paul Denis. Pas confirmé, un bon citoyen et citoyenne dans le pays a pensé et croit depuis longtemps que ce phénomène d'insécurité dans le pays, à travers les gangs dans les zones de non-droit, sont phénomènes entretenus, soutenus, encouragés, financés par le pouvoir. Donc, les relations sont telles que nous avons, avec un remote contrôle, le pouvoir, il y a une capacité, l'œuvre, mettons, accélération, là, dans la sécurité, là, nous mettons, mais le derrière, ou à garder à droite, ou à garder à gauche, ou garder pour si on peut pas menacer, ou pas capable de circuler n'importe qui côté, à n'importe qui l'heure, ou la caillou, ou pas en sécurité. Ah, bon, moi, oui, pourquoi pas, puisque référendum, là, c'est le projet du pouvoir. Et banditisme, c'est l'action, supporté, commandité par le pouvoir. Ou t'as écouté, dirigeant Uniforce, ancien ministre de Justice pays d'Haïtien, Paul Denis, qui t'a préagi sous trêve ça, qui gagnait entre gang Améo, qui c'est gang Village de Dieu, ensemble avec gang ISO 5 secondes, là. On a signalé pour vous, gang 400 marozois, pour que j'aime d'accord pour entrer en dans négociation, ça, yo. Dans le même dossier, hein, directrice nationale, c'est Gilles Aplan, madame Justine Colanouel, qui c'est l'organisation de l'église catholique, qui a défendu droit monde dans le pays d'Haïti, dénoncé une situation grave, pays a trouvé lui, connaissez-nous avec Axam, qui a dicté le royaume en dans le pays, hein.
Madame Jocelyne Colanouel dit le fait que gagner une instance en dans l'État, c'est un CNDDR qui est capable de chita pour négocier avec un criminel yo, après tout crime qu'il commet sous population, et puis pour l'État arriver à yo, laisser passer pour débloquer gomago l'agent pour mettre dans main yo, pour camper pendant 2 mois sur activité kidnapping là, le temps pour gouvernement mener campagne pour montrer peuple avec communauté internationale là, il y a contrôle sécurité en d'un pays. Madame Colanouel a dénoncé la justice pays d'Haïti qui n'a pas fait rien contre la loi qui a mené en d'un pays d'Haïti. Madame Jocelyne Colanouel pour CJLAP. Donc pour nous-mêmes, il n'y a pas de problème. La situation côté garde qui a décidé très attentif à la place criminelle, qui a une loi qui condamne. Et puis ça passe comme si c'était le bien. Donc chaque jour, on attendait un jacques. Quand il fait cas, il dit grave à Chilon. Et puis, il y a même encore d'autres qui ont dit, il y a raison, il y a fait ça, les gars, il y a fait ça avec Pakistan, il y a fait, donc c'est parce qu'il ne faut pas jeter l'argent, parce qu'il y a un qui connaît le bail au port, ça va au port, c'est ça que c'est. Et pendant ça, donc vous tentez le discours à droite à gauche, ça fait un niveau, au bon niveau de l'État, qui est des initiatives de la partie. Pour bien que l'intégration, l'intégration est interdite. Et nous, nous sommes au niveau de ça, donc pas répondre par rapport avec ça, qui a pris l'eau, comme les gens qui ont pris l'eau, a dit qu'il y a plein de propages d'Haïti, de pratiquer, de pratiquer, de parler. Donc, qui voulait faire comprendre ça, qui a passé, donc ce n'est pas un bagage, c'est un bagage, mais tout le monde dans le pays a fait, et c'est un bagage, tout le monde a fait, on est dans écoutez, là, nous tentons encore chez mon ligérien pour responsabilité pour faire des populations qui sont tellement bon, j'ai dit, et qui a dit ça, il a fait des croyants sur les policiers. Bon, encore une fois, on va nous être chargés. On va nous être chargés. Parce que là, ça, c'est comme si tout le monde était là. C'est comme si chaque fois que nous avons une initiative pour faire des affaires, nous sommes capables de faire. Et puis, une constitution dans l'État, qui va l'entendre. Alors c'est la justice, non, c'est le monde pour la vie, pas mal dans les salons. Franchement, c'est le bagage qu'on fait pour nous faire en bas. Vous écoutez, madame Jocelyne Colanouel, qui est directrice de CJLAP, qui est une organisation qui a défendu le droit de l'homme en dans l'église catholique. Nous avons toujours été dans le dossier insécurité pour notre gouvernement. D'après le directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, il veut jouer une entente avec un criminel pour camper dans un affaire kidnapping qui a duré 2 mois seulement. Le directeur régional national qui a défendu le droit de l'homme dans le pays d'Haïti, Pierre Espérance a dénoncé le pouvoir en place là, à travers le CNDDR, Libye Gang Genève, une quantité d'argent pour arriver à camper sur activité kidnapping. Pendant un petit temps, pour monter communauté internationale, là, élection et référendum possible en dans le pays. Pierre Espérance critiqué une fois encore pour voir PHTK dit qu'ici n'est qu'un pile. Là, il n'a pas pris aucune décision pour protéger la vie haïtienne pendant l'affaire entente avec un criminel plus capable de montrer communauté internationale là que il est prêt pour faire élection en dans le pays. Pierre Espérance. Nous, au courant, depuis semaine passée, hein, et pouvoir entendre par les nationales avec CNDDR, ils ont entendu la grosse réunion qu'ils ont fait avec gang Genève et alliés dans la zone métropolitaine qui impliquait dans 12 massacres et sorti 2018 pour les journées aujourd'hui. Nous pas capable de compter que quantité de monde qui vit en Mabaza qui a une Genève et alliés. Dans la zone métropolitaine, mais pour voir les groupes comme Genève et Alliés, pour
fonti campé sous kidnapping, seulement kidnapping, pour pouvoir capable montrer international là, élection possible pendant l'année 2021. Mais c'est pas un petit campé pour pouvoir mander au fait pour protéger la population, non? Parce que nous connaissons ces pouvoirs même qui fédérer G9 et allié dans le mois de juin-juillet 2020, après ils ont fait un massacre dans Pont Rouge et Cité Soleil. Donc, pour voir Boye Kokbayo, et nous-mêmes, nous avons réjoui si c'est la police nationale là, qui était prise à disposition pour contrôler l'entrée avec sortie et gangio pour nous avons réjoui si c'est la police qui était déployée dans la rue. Hein. Donc, c'est moi qui négocie avec eux pour faire un petit campé, même Jean, en septembre 2020, les Genève là et alliés et l'autre gang recommencent à kidnapper. Je te dis, c'est parce que moi, je pas respecter l'engagement avec eux. Qui donc? C'est un régime qui fait alliance avec gang et qui banalise la vie monde et nous connaît qui sa gang pouvoir faire dans le pays. Quand des témoins ont violé, ont volé bagaille, ont qui mourir, ont massacré, massacre d'État, et crime contre l'humanité, et kidnapping, même, c'est pas parlé. Donc, toute bagaille, ça, et crime, ça, a fait, et n'a un seul objectif, c'est pour pouvoir, c'est pour PHTK capable de limiter son pouvoir. PHTK fait alliance avec gang pour contrôler, pour diriger le pays. Et je dis, gang, ils ont contrôlé 60% dans l'électorat, pas aucune possibilité en Haïti pour gagner élection. Acceptable qui fait pendant l'année 2021 parce que ni électeur ni candidat pas capable d'exercer droit civil et politique. Bon, on y a, faut pas un conseil électoral ou pas un conseil électoral parce que le conseil électoral dit là, il monte en violation avec la loi. Donc, ça fait là, c'est pour pouvoir capable de montrer international là, gagner sécurité en un pays là pour soutenir l'élection et PHTK pour capable de renouveler tête au détruisement de la population. Et puis, gros danger, nous dit, qui est capable de vivre la population haïtienne là, pendant l'année 2021, si nous, si la population accepte de vivre à genoux, eh bien, c'est quitter pouvoir ça faire référendum là, avec élection qui parle de mettre pays à, n'a plus crime et politique. Nous n'est pas capable de vivre en bas insécurité d'État ça. Et le président de facto, le premier, mais il fait déclaration dans notre test, il dit, insécurité à kidnapping qui vient, son kidnapping politique. Oui, c'est vrai, c'est pouvoir qui fait alliance avec gang, qui a kidnappé, qui a violé, qui a massacré la population, qui a instrumentalisé la police là, et même matériel équipement la police et policiers pour voir météo à la disposition GDF et alliés. Vous avez écouté directeur exécutif RNDDH là, Pierre Espérance qui t'a préagi sur question insécurité. Pour le fameux journal là, nous parlons des dossiers culturels pour donner occasion au 36e congrès annuel dans la cour d'Hérouville. Les avant tradition haïtienne centrale a organisé 3 journées d'activité culturelle sur 17 pour 10 mai 2021. Dans ce sens, vice-président national central, Ougan Lionel Monpoint, Modestin, qui déploie la parole dans l'occasion cérémonie ça, exhorté tout haïtien, Biochita ensemble, même gens avec ancêtres qui dans le pays d'Haïti de Chita, une façon pour Haïti sortir dans une situation difficile que le trouve journée. Je dis, alors il peut poser la question sur qui position centrale gagner sur le référendum. Le vice-président national central en répond pour le central encourager toute décision qui prend dans l'intérêt du peuple haïtien. Léonel Monpoint, Modestin, c'est Ougan, c'est lui qui président des enfants, tradition haïtienne, central. La répondre question collaborateur nous, Alain Etienne. Côté haïtien, nous mettons ensemble pour garder l'on va mener le pays dans la bonne direction. Je dis à nous besoin, nous besoin de chaque, nous besoin d'une loi qui permet de mener le pays dans de plus bonnes conditions. Je dis à la. Je dis à, au niveau du Parlement, c'est marchandage qui fait, vos droits lui-même, et ça fait, nous dit, tout haïtien, mettez-vous ensemble. Gardez ce qui est bon pour nous. Chez moi, je ne peux pas aucun côté. Aucun côté. Nous disons, haïtiens, mettez tout ensemble pour nous mener le pays dans une direction côté royauté, côté royauté décidé. Nous pensons que normalement, tout ce qui est bon pour le pays, vos droits même, tout ce qui est bon pour Haïti.
tout ça qui est bon pour Haïti, vos droits même, une direction qui va être bon pour Haïti. Mais qui ça ne pense de monde qui a une hostilité? Haïti Bobo! Qui dégage l'hostilité par rapport avec Haïti? C'est où je dois dire? C'est la démocratie. Démocratie a permis que ça moun ouè baka la jan ouvre. Mais moi-même, nous mettons dans un travail, nous pensons le référendum, c'est si mon moment arrivé. Parce que si nous avons cette catégorie, pile problème, pile ingouvernable. Parce que si le référendum, si nous voulons que ce soit permettre à Haïti sortir, le problème qu'il y a là, nous dit bravo. Pour nous finir, et c'est tout nous gagnons ensemble des représentants du département national qui présent avec nous là. Mais on connaît les difficultés qui gagnent dans le pays. Il y a sur le plan de sécurité. Il y a des gens qui ont dit parce qu'il y a des sécurités. Mais tout le monde est unis nous là. Tout le monde est tout ensemble pour nous conduire dans de bonnes conditions, dans de bonnes directions. Nous voulons dire, moi personnellement, moi dis Bilolo à Oufenago. Même si à haut pour tout le monde, j'entraille, qui comprennent Jodia, j'entraille, pas capable de diviser encore ces moments, nous mettons nous ensemble et ça n'a fait Jodia là. Jodia symbolisé, ça a Franklin Simon, autour de Franklin Simon, tout le bagage ça a fait autour de Franklin Simon. C'est 3 jours que nous faisons là? Combien de jours qu'il a duré là? C'est 3 jours qu'il a fait. C'est depuis hier, nous sommes là. Nous avons fait 3 jours, Jodia là, nous avons fait ça pour nous faire. Et puis je me suis levé, ça a terminé. Pour chaque année, c'est 3 jours que nous faisons, 3 jours de rencontre que nous faisons. Message spécial là, c'est qui s'allie pour le pays. Permettre au pays à moment arrivé pour que nous mettions ensemble. Pour nous quitter ensemble, pour nous discuter, pour nous dialoguer et pour nous jouer une solution au pays. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec la chaîne. Toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.